Bonjour à tous, c'est Céline Scrap, je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on est mardi 22 octobre, il est 11h moins 20. Je filme assez tard parce que je suis en vacances, donc je profite. Là, c'est ma dernière semaine. J'ai pas filmé avant parce que ma première semaine de vacances, donc je n'avais pas mon fils. J'avais beaucoup rangé. Je voulais m'occuper de cette pièce. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis plutôt contente. Je croise les doigts pour finir de retout ranger avant la fin de la semaine. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que j'ai plein de choses de prévues. Donc les jours, ils filent à une vitesse grand V. Je dois vous avouer que les 3 semaines sont passées. J'ai rien vu. Là, ça fait déjà 2 semaines et demie. J'ai rien vu. Voilà. Quand je suis ici dans ma pièce en train de ranger, j'en profite pour regarder des petites vidéos. Comme ça me fait une ambiance et ça me motive. Souvent, je mets des scrap room tours. Ça, des fois, j'écoute et ça me donne quelques idées de rangement. Parce que, bon, je sais pas vous, mais moi, je commence à ranger quelque chose. Je modifie parce que je me dis, je pourrais faire autre chose. Et puis là, je suis beaucoup dans les petites babioles, on va dire. Donc, tout ce qui est attache parisienne, œillet. Donc, voilà. Je range, par exemple, vous voyez, les glands. Je crois que ça s'appelle des glands, ce qu'on se sert pour... J'en avais de chez Action. J'en avais dans des kits. J'en avais avec des collections. Donc, j'ai tout rangé par couleur. Voilà, je vous montre un petit peu. Ça fait plaisir que ce soit rangé. Voilà le genre de choses. Là, je l'ai sous la main, donc j'en profite. J'en ai fait. Ah, mais il est rangé. J'ai fait les petites boutes. Les petites. On avait une boîte avec plein de petites boîtes rondes qu'on avait eues chez Action il y a quelque temps. Alors, attendez, n'ayez pas peur. C'est parce que je vous ai mis un petit peu trop par là. C'est vrai que ça me choque. Parce que du coup, je suis vachement sur ce côté de la vidéo. Ça me permet de ranger, mais ça prend énormément de temps. Donc là, j'ai mon meuble Alex taille bureau, pas l'écran qui sont là de ce côté. Donc j'ai tout rangé dans le tiroir. Après, ce qui me chagrine, c'est qu'en fait, une grosse partie du tiroir n'est pas accessible. Donc vous poussez, il vous faut pour accéder au fond tout sortir. Et c'est vrai que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas commode. Donc voilà, je reviens vers vous parce que, alors, je suis allée à Action et à Noz la semaine dernière, cette semaine. Alors, la semaine dernière à Action, je n'ai trouvé qu'une chose concernant le scrap, mais une jolie chose, voilà, la fameuse table à 5 euros, 6 euros, la fameuse table en verre trempé. Donc, j'ai bien secoué pour voir qu'elle ne soit pas cassée. 5 euros quelques. J'ai gardé le ticket de caisse au cas où qu'elle soit cassée. On ne sait jamais. Mais je ne pense pas. Donc, je l'ai rangée là et elle ira sur la deuxième. En fait, j'ai mon bureau en L. Donc, là, j'ai la plus grosse partie de mon bureau qui est là, puisque c'est mon bureau le plus profond. Là, il est beaucoup moins profond et je pense que je mettrai la table là. Face à la fenêtre. C'est vrai que des fois, pour travailler face à la fenêtre, c'est pas très commode parce qu'on a le soleil vraiment en face et c'est vraiment pas pratique. Je suis allée à Noz à lundi, donc hier. Lundi 21 octobre, c'était ma fête. Donc, on a fait un petit repas avec ma meilleure amie. On a fêté ça toutes les deux tranquillement. Le soir, j'étais avec mon chéri, mais bon, on n'a rien fait d'extraordinaire. Je reviens d'un week-end avec mon fils. On a bien, bien profité. Voilà. Malheureusement, je ne l'avais qu'une semaine pendant mes 3 semaines de vacances. Et cette semaine-là, il n'était pas en vacances, donc on n'a pu rien faire. Bon, j'ai invité ses copains. On a fait quand même quelques activités. Voilà. Donc, je reviens vers vous pour vous dire. Donc, je suis allée à Noz. Pas de poche, comme d'hab. Donc, j'avais mon bac. Et j'ai tout mis dans un bac. Voilà. J'étais à un prix raisonnable. J'ai pas tout pris. Voilà. Pour vous dire, je me suis contentée. Alors, j'avais dit plus de papier. Alors, ça, c'est ce que je dis. Et puis, on les voit. Et on craque.
Voilà. Je me connais. Je sais comment je suis. Je résiste pas. Après, c'est des jolis papiers. Donc, c'est vrai que quand on est habitué au papier d'action, ça change quand même. C'est une autre gamme, on va dire, de type de papier. Et voilà. Alors, il y avait des papiers 30-30 et des papiers 15-15. Les papiers 30-30, le lot était à 3,99 et les papiers 15-15 étaient à 1,99. Voilà. Donc, je reviendrai comme ça. Au moins, je vous ai dit le prix. Voilà. Petit aparté avant que j'oublie parce que, vous voyez, en plein rangement, je me suis acheté ce type de casier, vous savez, qui est vendu chez Action actuellement. Et regardez la bonne surprise que j'ai eue. Donc, méfiez-vous les filles. J'ouvre et voilà. En fait, il manque les deux parties là. Ils n'y sont pas. Bien sûr, je n'ai plus de ticket de caisse. Voilà, ça fait un peu râler. Donc, je pense que de lundi, non, je n'irai pas à Action. Parce que la semaine prochaine, j'ai mon fils et on va profiter de mon dernier jour de vacances pour être avec lui. Donc voilà, faites très attention. Donc je reviens au mouton, parce que vous voyez, je pars un peu partout. À Noz, donc vous aviez l'arrivage P13. Alors c'est du papier, je crois, je ne sais pas du tout d'où vient cette collection. Il y en a déjà eu. Je m'en suis déjà servi et j'avoue qu'il est plutôt joli. Donc voilà, j'ai pris quelques collections. Donc, je vais vous montrer un petit peu les papiers. Ce qui était bien, moi, ce qui m'a souvent fait craquer, c'est les crayons de Project Life. Vous allez me dire, bon, 3,99 pour... Donc, c'est 12 par 2. De Pologne. Pologne, donc. Donc, c'est du papier 240 grammes. Cardstock 240 grammes, sans... deux de chaque. Donc, s'il y a 12 designs, alors deux modèles de 6, 10. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il y a 14 papiers. Donc ça fait 24. Donc voilà, 3,99. Alors, on va revenir. Donc, c'est polonais. J'avoue qu'on voit souvent des papiers qui viennent des pays de l'Est et qui sont plutôt de bonne qualité, plutôt jolis. Donc voilà, c'est une occasion. Alors, on revient aux moutons. Donc, dans la collection, j'ai pris le papier Once Upon the Time. Pour vous montrer les différents papiers présents, les voici. Ces deux très très beaux papiers. Alors, c'est autour des contes. Voilà. Donc, vous avez le papier de couverture, en fait, où il y a des dies à découper. Je vais essayer de vous mettre un... Voilà, papier de couverture, vous avez le dies à découper. Et vous avez... Les deux couvertures, donc c'est des dies. Voilà. Voilà. Et après, vous avez des papiers vraiment très, très élégants. Alors, comme pas mal de collections, vous avez en bas de la page le combo couleur de la collection. Donc, pour Once Upon the Time, vous avez pu vous deviner un petit peu. C'est bleu foncé, bleu clair, gris. Beige et rouge, vous voyez. Alors, on va vous le rapprocher, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est sympa parce qu'après, pour coordonner des unis, ça peut être assez sympa, ça peut donner de bonnes idées. La deuxième collection que j'ai pris, You Can Be Anything. Tu peux être tout et rien. Enfin, voilà. Donc, c'est sur ça a un thème assez enfantin. Voilà. Donc, vous savez que j'ai un petit garçon. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien lui faire faire le voyage, vous voyez, pour être astronaute. On est parti à la cité de l'espace. Les
carte de Project Life. Donc, tu peux être docteur, musicien. C'est très mimi. C'est très. C'est adorable. Et. Tu peux être archéologue. C'est assez original. Voilà. Des fois, quand on fait des petites sorties un peu culturelles, dirons-nous, ça peut être assez sympa. Chimiste, mécano. Voilà. Donc, celui-ci. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas pris toutes les collections. J'en ai pris beaucoup. Je ne les ai pas toutes prises. J'ai fait un tri parce qu'il y avait beaucoup sur le thème fleuri. C'est pas trop mon style. J'aime bien certains, mais voilà. Ensuite, vous aviez celui-ci. Donc, celui-là, c'est tout basique. Voilà. Donc, vous savez les couleurs derrière. Ce uni était pas mal. Alors, vous avez une page unie, une page avec des étoiles. Donc, voilà. Ça peut être assez sympa de jouer sur ce. Voilà. Ensuite, l'autre collection, c'est Sea, comme la mer, la vie. Je vous montre. À chaque fois, j'avoue que c'est souvent les cartes de Project Life qui m'ont incité à. Que j'ai trouvé toujours assez magnifique. Vous voyez. Voilà, je vous explique mon petit choix. Alors, comme on est allé à la mer ce week-end, c'était une excellente idée. Ensuite, There is no planet B. Donc, ça veut dire qu'il faut conserver la planète. C'est autour de l'écologie, la nature. Donc, le combo couleur, vous imaginez, c'est vert, marron. Toujours les cartes de Project Life, j'avoue, qui m'incitent à chaque fois à le prendre. Voilà. Très vert, très joli. Vraiment très, très joli. Ensuite, j'ai pris The Garden of Book. C'était une collection autour du jardin de la lecture. On a beaucoup de. Je vous remonte les cartes de Project Life quand même, parce que vraiment, à chaque fois, elles sont très, très jolies. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je crois. Oui, il y a deux pages à chaque fois. Donc, voilà. Ça permet, si vous voulez, plutôt servir du verso. Ladies Diaries. Voilà. Alors celui-là, il était très mimi, très dans les tons vert clair, bleu. On revient un peu à peu près au même combo couleur. Mais j'avoue que voilà, ça m'a plu. Toujours de magnifiques cartes de Project Life, comme d'habitude, autour de l'appareil photo. Celui-ci, celui qui m'a beaucoup plu, c'était. Cette page autour de l'appareil photo. Donc c'est vrai qu'elle était très jolie. Voilà. Time to relax. Alors là, j'ai adoré les couleurs. Vous voyez, le combo couleur, vous le voyez deviner devant vous. Vous avez les pages au milieu. Il était sublime. Le moment de se relaxer, et bien, écoutez. Il était sublime autour de la lecture, de la relaxation. J'ai vraiment adoré cette collection, cette présentation de collection. Voilà, toujours les petites cartes de Project Live. Sublime. Et le dernier qui était sur le thème Noël, Santa's Workshop. La boutique de l'atelier de fabrication du Père Noël. Alors, je suis pas très Noël d'habitude parce que bon, on en a beaucoup de papier de chez Action, vous savez. Mais il était, ça changeait vraiment sur ce qu'on avait déjà beaucoup, les cannes, voilà. Donc c'est vrai, et j'ai beaucoup aimé
la page Poinsicia. Et la page en forme de page de sapin. Voilà. Celle-là, je l'ai adorée. Avec une photo du de votre sapin de Noël. C'est juste magnifique. Voilà. Alors ça, c'était donc les pages 30-30. En 15 par 15, donc, j'ai pris souvent les mêmes. Alors, ils étaient en... Alors... Voilà, c'est souvent les mêmes. Vous voyez, Ladies Diaries, celui-là on l'a déjà vu. Once Upon a Time, celui-là aussi on l'avait. Since There is Not a B Planet, il n'y a pas de planète B. Donc, le bloc Santa Workshop, le bloc de Noël, et celui qui n'y était pas en 30-30, mais qui était trop mimi en 15 par 15, c'est celui-ci. Voilà. Good night. Voilà. C'est un thème hyper enfantin. La chambre de bébé, les petites couleurs. Alors là, sur les 15-15, vous n'avez pas de combo couleur. Bon, même si, quand vous le voyez, vous pouvez deviner le combo couleur que c'est. C'est très mimi. Voyez. Vous pouvez deviner un petit peu le combo couleur. C'était assez mignon. Voilà, ça, c'était... Et enfin, alors que je ne prenne pas ça, les embellissements. Alors, les embellissements, il y avait sur les... J'ai voulu prendre, il y avait beaucoup d'embellissements, mais il y avait en fait deux autour des collections de Noël. Sachant que nous n'en avions qu'une de papier, puisque nous n'avions que Santa Claus Workshop. Donc, j'ai pris les décorations autour de Santa Claus Workshop. Santa Claus, Père Noël, autour de l'atelier du Père Noël. Le seul que je n'ai pas pris qui n'était pas en rapport avec la collection, c'est celui-ci qui était à 65 centimes. Donc, qui était sur une autre collection de Noël. Alors, je ne sais pas la collection que c'était, mais en fait, j'ai adoré les petits mots. Voilà. Après, vous verrez, il y est en format... donc, ça, c'est du... en carton. Voilà. Je ne sais plus le nom. Ça va me revenir quand j'aurai fini la vidéo. Donc, celui-là, voilà. Donc, vous aviez le même dans la collection des papiers. C'est celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment parti sur le même... pour faire les intercalaires. Excusez-moi de ne pas trouver toujours mes mots. C'est pas facile. La sclérose me fait souvent des vilains des tours. Mais les formes sont exactement les mêmes. C'est juste, en fait, le thème qui est différent. Donc, voilà. 65 centimes, pareil que l'autre. Ensuite, vous aviez des planches pour 59 centimes. Des planches d'autocollants. Toujours sur la même collection. Voilà. Voilà, vous aviez ceci. Et après, c'est des die-cuts. Donc, ça, c'est en forme de fanion. Celui-là est à 79 centimes. Celui-là aussi, c'est des petites étiquettes. Décoratives tags, des tags. Toujours des tags décoratifs mais ronds. Alors, j'ai oublié de vous montrer au dos, ils sont comme ceci. Voilà, celui-là, au dos, ils sont du tag, ils sont comme ceci. Et là, au dos du tag, ils sont comme ceci. Voilà, donc 79 centimes, 79, 79. Des éphémérides, Fram End. Voilà, pour 79 centimes, toujours de la même collection. Et enfin, des tags décoratifs. Et au dos, ils sont comme ceci, les tags. Voilà. Et pour terminer, il y avait une planche de stickers. Vous me direz, ça m'est...
alors de tampons, ça m'évite d'en acheter. Mais je l'ai trouvé trop mignon, le petit casse-noisette. Voilà. Pour 1,99 €. Voilà. Bon, c'est en anglais, comme d'habitude. Winter, Merry Christmas. Mais j'avoue que je l'ai pris que pour ça. Voilà. Donc, vous voyez, bah, écoutez, ça fait déjà 20 minutes. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc, il y a pas mal de choses qui sont commencent à bien prendre forme. Là, ça commence à sacrément bien prendre forme. Après, il y a des boîtes. J'ai des boîtes vides. Alors, les boîtes vides, je les rapatrie. Elles reviennent après d'autres pour ranger. Voilà. Tout ça va être rangé ce soir. Je profite de finir la vidéo. Je continuerai à regarder vos vidéos à tous pour voir un petit peu me donner des petites idées, quoi, j'ai envie de dire. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je crois que je n'étais pas consciente de tout ce que j'avais à faire. J'ai encore 3 caisses à ranger. Mon garage est sacrément plein. J'ai des étagères à poser ici et ici. Là, il faut que je prenne mes mesures. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous me donnez le mal de mer. Alors, là, en fait, avec mon conjoint, on va mettre ici, là. Parce que j'ai tout cet espace de perdu. Et en fait, je ne peux rien mettre de profond. Parce que j'ai le retour de la fosse septique qui remonte là. Une colonne. Je ne sais pas à quoi il sert. Ne me demandez pas. Et donc, du coup, j'ai un peu d'espace. Et avec mon conjoint, on aimerait mettre des équerres là et là, sur ce mur. Et monter, en fait, une étagère. Pour gagner un peu d'espace. Là, et là, vous ne le voyez pas. Donc, contre ce meuble et mon bureau, il y a un bon espace. Et j'ai récupéré une ancienne. Comment dire ça? Où il rangeait des piles Varta. Donc, un présentoir métallique. Ce présentoir métallique, personne s'en sert, personne ne le récupère. Donc, je vais prendre les mesures et voir si je peux me le mettre là. Parce que, sincèrement, c'est super pratique pour ranger tous nos autocollants, diverses choses, tout ce qu'il y a. Ceci, en fait, ça vous permet, voilà, tout ce qu'il y a ça, vous le ranger là. Et vous donner l'espace, et sincèrement, c'est vraiment super pratique parce que vous avez tout sous les yeux. Et pour vous servir de choses, il faut qu'on l'ait sous les yeux, et c'est souvent ça. Parce que le problème, quand on le range dans les tiroirs, c'est bien joli, mais voilà, on le range dans un tiroir et on s'en sert plus, tout simplement. Donc voilà, mais écoutez, je vous fais à tous de gros gros bisous. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Et j'espère que la prochaine, ça sera le Scrum Prom Tour. Je croise les doigts. Bisous. À bientôt. Au revoir. Je vous adore.